Je m'appelle Julie Poirier, je suis infirmière depuis 18 ans et infirmière praticienne spécialisée depuis 4 ans et demi. Moi, j'ai choisi de devenir infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne parce que je voulais avoir un rôle beaucoup plus autonome, je voulais exercer plus mon jugement clinique, avoir plus de responsabilités dans le travail que je faisais. Façonner les soins infirmiers de l'avenir, je pense que ça représente pour les infirmières le défi de prendre sa place, autant pour les infirmières que pour les IPS, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, utiliser au maximum son jugement clinique, son autonomie. L'avantage pour les patients d'être soignés par une IPS, je pense que c'est toute l'approche de la communication, la vision globale. Avoir plus d'infirmières praticiennes dans le futur pour les patients, ça serait vraiment une bonne chose parce que ça augmenterait l'accessibilité. Donc, dans le contexte actuel, je pense que c'est un plus. D'ici 2024, l'implantation optimale de 2000 infirmières praticiennes spécialisées comme Julie aurait un impact positif sur l'accessibilité des Québécois aux services de santé tout en diminuant le coût des soins. Il est de notre devoir de valoriser leur travail auprès des instances décisionnelles afin qu'elles soient davantage reconnues comme des expertes, des leaders et des agents de changement. Soyez assurés que nous suivons ce dossier de près. Partagez votre vision des soins infirmiers de l'avenir sur santé.oiq.org.